Une personne sur 20 atteinte d'une maladie rénale ne le sait pas, car les maladies du rein restent longtemps sans symptômes apparents. Et c'est tout l'objet du dépistage réalisé ici grâce à une bandelette urinaire. Un rein qui fonctionne mal, c'est notamment un rein qui ne filtre plus les urines. On peut ainsi y retrouver des protéines qui devraient rester dans le sang. La Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux a décidé de se mobiliser pour la prévention. Je suis venue parce que à la station de métro du Capitole, il y avait des jeunes filles qui distribuaient donc des petits flacons pour le dépistage, pour voir s'il y a un problème au rein. Et j'ai décidé de venir pour tout simplement savoir s'il y avait un problème ou pas. C'est par curiosité. Je connaissais pas, non. Je sais qu'il y a pas mal de maladies au niveau du rein, comme la pyélonéphrite aiguë. Voilà, et j'étais sujette à ça aussi, du coup je me suis dit bon, bah, pourquoi pas venir vérifier aussi. On m'a parlé surtout de l'insuffisance rénale, les symptômes, elle m'a expliqué ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas avoir dans les urines. Parmi les signes d'alerte constatés, un besoin fréquent d'uriner la nuit, une perte d'appétit, une fatigue importante, des nausées, des troubles du sommeil ou une anémie car les reins atteints ne produisent plus de PO, l'hormone qui stimule la production des globules rouges. Mais lorsque ces signes apparaissent, il est bien souvent trop tard, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Il existe maintenant des traitements qui permettent de stabiliser l'hypertension et donc aussi de protéger le rein. On peut intervenir aussi au niveau alimentaire pour adapter son alimentation à différents stades de l'évolution. On a des moyens de ralentir la progression des maladies et de pouvoir ralentir l'accès à la dialyse qui est le stade terminal de l'évolution. Pourtant, on enregistre chaque année 10 000 nouveaux cas par an en France, faute d'informations du grand public.